Soufafone, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup de social selling depuis quelques temps maintenant. Vous, c'est une démarche que vous avez initiée il y a 2 ans chez Bouygues Telecom. Alors, par où est passé ce programme-là et qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors aujourd'hui, donc, pour la démarche social selling, on a 2 outils principaux. On utilise LinkedIn Sales Navigator, aujourd'hui plus comme un canal de communication supplémentaire, parce que la prospection multicanale, c'est quand même au cœur de notre performance hein, pour aller chercher plus de prospects. Et on utilise un nouvel outil, Bypass, qui est un agrégateur de données Big Data qui nous permet en fait de trouver des prétextes personnalisés pour rentrer en contact avec nos prospects. Et donc ces 2 outils sont utilisés par notre équipe Génération de Leads qui est coachée donc par leur manager au quotidien pour que ces outils-là soient le plus productifs possible. Et ces outils permettent à cette équipe de progresser en termes de prise de rendez-vous. D'accord. Alors, concrètement, vous avez parlé de productivité. Qu'est-ce que ça apporte à la productivité de cette équipe, le social selling? Alors, typiquement, grâce à l'utilisation de Bypass, l'équipe, en fait, a divisé par 2 son temps pour mailler les comptes, connaître les bons prospects, les décideurs, pour aller rentrer en contact avec eux. Et donc, ce qui nous a permis d'avoir... c'est comme si, en fait, on avait 10 personnes au lieu de 9. Donc, vraiment un gain de temps qui se traduit en gain de productivité et en nombre de rendez-vous supplémentaires pour les commerciaux.